Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce huitième, je crois, épisode de l'école Augrissonnière qui a un objectif assez simple qui est de débattre, réfléchir ensemble grâce aux lumières qui nous sont apportées notamment par des experts, des spécialistes, des gens qui viennent du monde académique et qui peuvent nous permettre de réfléchir collectivement mais aussi de s'approprier des sujets pour en faire un débat démocratique. Et c'est tout l'objet du sujet aujourd'hui, puisque on va reparler d'un sujet qui a beaucoup fait débat ces mois derniers, qui a fait débat dans la sphère économique, mais qui a fait aussi débat plus généralement dans le grand public, qui est la question de la gestion de la dette. Parce que on est dans un contexte où les États n'ont jamais autant emprunté pour faire face à la crise, et ils devaient le faire. Et c'est plus que jamais indispensable de le faire. Et en même temps, on voit que la sirène de la fin du quoi qu'il en coûte arrive déjà de la part du gouvernement qui nous dit quand même, l'État a emprunté beaucoup d'argent. Tout ça coûte très cher et il n'y a pas d'argent magique, c'est toujours la formule qu'ils utilisent et donc il va falloir rembourser cet argent. Et va se poser cette question majeure dans les prochains mois, est-ce qu'il faudra rembourser cet argent, premièrement? Deuxièmement, qui va payer le coût de cette crise? Et là, vous me voyez venir, déjà, le gouvernement a en tête de faire payer les plus pauvres, les plus précaires à travers des impôts injustes et c'est bien là tout l'enjeu et tout le sens de la bataille que nous, on veut mener, y compris en se réappropriant ces sujets économiques qui doivent être démocratisés. La question de savoir qui va payer la crise n'est pas une question uniquement d'économiste, mais une question politique majeure, je pense, dans les mois et années à venir, pour mesurer l'impact sur le long terme de la crise que nous venons de vivre. Et on sait, la dernière crise économique de 2008-2009 a fait la démonstration que si on n'utilise pas les outils les plus justes et les plus égalitaires en matière de politique monétaire, politique fiscale, etc., en réalité, on va creuser les inégalités. Et donc, la question centrale qu'on voulait poser aujourd'hui, c'est bah alors cette dette, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'annule ou pas? Et avec quel type de politique économique ça doit venir? Et j'ai le plaisir d'accueillir pour en discuter de tout ça Anne-Laure Delatte, Anne-Laure qui est économiste au CNRS et à Paris Dauphine, qui publie régulièrement dans différentes colonnes. Vous pouvez retrouver notamment ses tribunes régulières dont Libération mène, on publie dans plein d'endroits différents, et notamment une dernière dans Le Monde qui a été une tribune conjointe avec d'autres économistes qui appellent à une reprise en main de la politique monétaire, mais qui aussi alerte sur l'annulation de la dette comme un totem et comme seule réponse économique qu'on peut apporter à la crise actuelle que nous vivons. On aura l'occasion de revenir tout ça dans le détail. D'abord, je fais un petit coucou à Anne-Laure. Merci beaucoup à toi de te joindre à nous. On est très contents. Merci beaucoup, Manon. C'est un grand plaisir d'être là et je suis ravie de, si je peux essayer de participer au débat démocratique et à la pédagogie. C'est super, c'est l'objectif. C'est tout l'objectif de la session aujourd'hui, du coup, ce qui me fait le lien sur, on est là pour réfléchir, vraiment faire un temps de pause ensemble. J'ai envie de vous dire en même temps, on n'a rien de mieux à faire, il est 18h, on est chez nous, et on ne sait pas pour combien de temps on va encore vivre cette vie de confinée, donc autant s'en servir utilement. Et donc, du coup, cette session, c'est aussi la vôtre. N'hésitez pas à nous poser des questions, des interrogations, mais aussi des réflexions. Je me ferai votre porte-voix, je les poserai à Anne-Laure. Je sais qu'Anne-Laure a aussi, enfin, je parle en ton nom, mais tu diras peut-être Anne-Laure que c'est agréable aussi pour des économistes d'avoir l'occasion d'échanger plus largement. Tu avais eu l'occasion déjà de participer aux amphis, de participer à ces réflexions collectives, parce que de toute façon, ces sujets sont mes dadas. Donc, on a l'occasion toutes les deux d'échanger régulièrement et je dois dire que tu apportes beaucoup au débat économique. En plus du fait, et c'est suffisamment rare pour le noter, qu'il y a assez peu de femmes dans ce secteur-là, que parfois c'est un peu un combat de coq, on va y revenir, de qui sait qu'elle a le plus raison, et en fait parfois des propositions peuvent être complémentaires. Donc voilà, en tout cas, je le dis à titre personnel, pour ceux qui ne connaissaient pas Anne-Laure,
C'est une voix qui compte dans le monde économique, et à la fois sur ce qu'elle peut apporter sur le fond, mais aussi la manière dont elle le fait. Donc voilà, moi je suis très contente de te donner l'espace pour réfléchir avec nous, y compris pour exprimer des nuances, des désaccords, bref, faire vivre le débat, quoi, c'est un peu tout l'objet. Donc voilà, donc n'hésitez pas, vous nous posez des questions en commentaire, et puis moi je me fais votre porte-voix. Et peut-être pour démarrer cette discussion, je vais poser une question assez simple, y compris pour ceux qui se disent, franchement, cette histoire de dette, on s'en fout, ça change quoi à moi dans mon quotidien, quel impact ça va avoir sur ma vie. Donc, peut-être nous dire en deux mots, c'est quoi l'enjeu sur la dette? Déjà, pourquoi on en parle plus maintenant que les années précédentes? Et c'est quoi les enjeux autour? Et quel impact ça peut avoir sur la vie des gens? Et pourquoi, en fait, il faut s'y intéresser? Ok, bon bah oui, effectivement, on va commencer par un truc très simple. D'abord, pourquoi on en parle? Parce qu'on est passé, on a augmenté de façon très importante l'année dernière. Concrètement, on a un stock de dette qui représente 100% du PIB, c'est-à-dire que ça représente ce qu'on produit dans une année. Même si c'est pas génial de comparer ça, parce que la dette, c'est un stock, alors que le PIB, c'est de la production, c'est des flux, mais bon. Disons que ça représente ce que la France produit chaque année. Ça, c'était jusqu'à il y a un an. Et en quelques mois, à peine 3-4, c'est monté à 120%. Donc, en fait, on a ce surplus de 20% du PIB qui fait peur à tout le monde. Pour rappel, les critères de Maastricht, c'était 60%. On ne devait pas Donc là, dépasser on est à plus du double, ce qui prouve 60%. qu'ils Voilà. n'ont aucun sens. Et bon, notre économie, Si, c'est si, pas si, ça. si, 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 L'important, c'est qu'on arrive à 120%, mais d'abord, on n'est pas les seuls. Le monde entier a vu sa dette augmenter. On sait De bien dette qui pourquoi, on a représente identifié, 100% c'est du un PIB, choc qui c'est-à-dire que vient ça de représente ce qu'on l'extérieur produit et dans une une année. réaction de L'important, protéger c'est l'économie. qu'on En arrive à fait, en gros, 120%, mais l'État d'abord, on s'est n'est pas les substitué seuls. au marché. C'est Le devenu monde, on entier l'acheteur en a vu dernier sa dette ressort. Et augmenter. donc, en On protégeant sait ces deux bien liens qui pourquoi on a représentent identifié, 100% c'est du un PIB, choc c'est-à-dire qui que vient c'est citoyen citoyens et et entreprises. entreprises. Action L'acheteur en du dernier chômage ressort. Et donc, partiel, c'est en qu'on présentant arrive cette à 120%, mais solidarité, d'abord, l'État on s'est n'est pas les substitué seuls. au marché. Et bien, en C'est fait, devenu on monde, a vu l'acheteur en sa dernier dette ressort. Et augmenter. donc, Donc, les chiffres en protégeant protégeant ces ces biens citoyens et pourquoi on a entreprises, identifié de c'est-à-dire façon que globale c'est un bien citoyen et citoyens et un plan de entreprises. relance qui va représenter une centaine de milliards, même s'il n'est pas du tout dépensé encore. Bon, donc, on a fait des dépenses exceptionnelles. Voilà, on ne s'inquiète pas parce que tout le monde dans le monde est là-dessus. Alors pourquoi c'est important? En fait, la dette, l'État, en gros, l'État va emprunter sur les marchés financiers pour rembourser cette dette très régulièrement, enfin, plusieurs fois par an. L'État français et tous les États du monde le font. Il faut avoir en tête, et ça vraiment c'est à répéter le dimanche midi, c'est qu'on fait partie des gouvernements les plus sûrs du monde. En Qu'est-ce fait, que ça veut dire plus sûr? on est considéré comme un actif sûr, c'est-à-dire que Un bon payeur, quoi. comment on est très bon payeur. Voilà, Ouais. exactement, on est très bon payeur. Un mauvais payeur, c'est l'Argentine. Un bon payeur, c'est évidemment l'Allemagne. Et en fait, la France n'est pas très loin. Et comment est-ce qu'on le mesure, ça? Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que ce n'est pas du tout ce qu'on entend depuis 20 ans. On a quand même un Premier ministre, Fillon, pour ne pas le citer, qui nous a dit, je suis à la tête d'un État en faillite. Mais absolument pas. C'est-à-dire que si on était un État en faillite, les taux d'intérêt auxquels l'État français emprunte, ce serait les taux argentins, quoi. Ce serait les taux d'un pays qui a du mal à emprunter, quoi, qui inquiète tout le monde. Nous, on a un écart de taux avec l'Allemagne qui est quasiment nul. Et c'est toujours le cas sur les marchés. Et alors voilà, ce qui est intéressant, c'est que Donc tu on veux est. dire que ça ne nous coûte rien d'emprunter sur les marchés financiers? Alors en plus, donc non seulement on est ultra sûr, donc on n'a pas à s'inquiéter. C'est ça que je veux dire, c'est que déjà on n'a pas à s'inquiéter, mais en plus. Donc l'évolution, il n'y a pas eu d'augmentation. Mais en plus, il se trouve qu'on emprunte à taux zéro sur des maturités qu'on n'a jamais vues. Maturité, ça veut dire, c'est comme vous, c'est comme toi, quand tu vas acheter un appartement, tu vas emprunter sur 10, 15 ans, 20 ans. On sait bien que si on emprunte sur 20, ça coûte plus cher que si on emprunte sur 10. Eh bien, l'État français,
ça change un peu. Mais empruntait à zéro jusqu'à 10 ans. À un moment, on a même fait un emprunt au-delà de 10 ans à zéro. Et on peut emprunter à 50 ans pour un taux qui n'est pas à zéro, mais qui est quasiment zéro, qui est vraiment extrêmement bas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'instant, cette dette. Ah oui, il y a une grande différence en fait entre toi, moi et l'État. Peut-être expliquer ouais, pourquoi c'est pas la même chose en fait, parce que moi, si j'emprunte à la banque, je finis par le rembourser, quoi. Exactement. En fait, toi, tu vas finir par le rembourser, moi aussi, l'État, non. Et pourquoi? Parce que, en fait, comme l'État ne meurt jamais, il roule sa dette. Et Alors que donc, nous, on meurt. ben ouais, nous, on meurt malheureusement. Et on fait, ben, comme l'État ne meurt jamais, si tu veux, si il t'emprunte à toi, c'est-à-dire que toi, tu as un peu d'épargne et ben, une grosse partie de ton épargne, peut-être sans le savoir, c'est du titre, c'est du bon du trésor français. Enfin, de toute façon, si tu as un petit peu d'épargne, c'est sûr que c'est là-dedans. Donc, tu le prêtes à l'État français, il va te rembourser, peut-être au bout de 10 ans, mais il va te rembourser en empruntant à moi. Donc, en fait, il ne va pas te rembourser sur des recettes fiscales directement, sur des impôts ou quoi. C'est qu'en fait, il va te rembourser en empruntant à moi. Et ça, particulièrement si le taux est à zéro, tu vois bien que, en fait, tu n'as pas à dégager des recettes en plus. Ouais, c'est génial. Si moi, je pouvais faire ça à la banque, j'emprunte à la BNP. J'achète mon appartement et j'emprunte à la Société Générale 10 ans après pour rembourser la BNP. Et la Société Générale, je la rembourserai avec le Crédit Mutuel 10 ans après. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et pourquoi le gouvernement, alors, il nous dit, bah, c'est ce que dit Bruno Le Maire, hein, le ministre de l'économie, il dit, non, mais il y a une dette, il faut bien la rembourser, on peut pas avoir, il n'y a pas d'argent magique, et donc si on emprunte, au bout d'un moment, il faut bien rembourser. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement et quels sont les risques que porte ce type de politique? Alors, il nous dit ça parce qu'il est du côté conservateur et que vraiment, Quelle enfin, surprise! tu as commencé par dire que c'était que c'était des questions politiques et là, il faut vraiment comprendre qu'il y a à la fois des mécanismes économiques et que moi, je peux dire bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais la plupart du temps, finalement, c'est un choix politique. C'est-à-dire que, il faut, par exemple, le Japon a une dette qui dépasse 250% de son PIB aujourd'hui. Et en fait, bah, ils n'ont toujours pas explosé et ils continuent à emprunter. En revanche, l'Argentine est à 60% et ils explosent. Donc, on n'est pas tous notés à la même enseigne. Il y a vraiment un club des Happy Few qui peut emprunter pas cher et on en fait partie. Et donc, bah, Bruno Le Maire, quand il nous dit, Bruno Le Maire, Bayrou et toute cette clique-là, hein, nous dit, non, mais attention, attention, c'est trop important. En fait, il envoie un message aux créanciers pour dire, non mais ne vous inquiétez pas, on veut garder une bonne signature française, donc on fait attention à vous et on s'engage à vous rembourser. Mais c'est un discours disciplinaire qui envoie vraiment un message bah, aux épargnants et aux marchés financiers, qui se soumet en fait à une logique de marché financier. Puis, je vais au-delà, je pense qu'il y a aussi d'abord la dépendance en effet au marché financier, et puis c'est une excuse aussi rêvée pour mener des politiques d'austérité, pour dire, bah voilà, maintenant il faut se serrer la ceinture, on a ouvert les vannes en temps de crise, on n'avait pas le choix, mais bah, maintenant il va bien falloir rembourser. C'est l'occasion de dire, bah oui, on a besoin de la réforme des retraites parce que l'État a besoin de faire des économies, la réforme de l'assurance chômage parce que l'État a besoin de faire des économies. On en parle assez peu, mais moi je le mentionne à chaque fois que j'en ai l'occasion. Il y a un truc que tout le monde paye et personne ne le sait parce que bon, il y a plein de trucs qu'on paye à l'État et on ne s'en rend pas forcément compte. C'est un impôt qui s'appelle la CRDS. Donc si vous prenez votre fiche de salaire hein, pour les salariés, vous allez voir un prélèvement qui est la CRDS, qui est en fait un remboursement de la dette et qui devait arriver à terme. Et qui a été prolongé, alors bon, de manière non définitive encore, a priori jusqu'en 2034 ou 2042, mais dont l'argument principal est aussi de dire bah, il va bien falloir rembourser la dette. Et donc, c'est aussi utilisé comme une forme d'épée de Damoclès sur nos épaules
par les libéraux pour dire bah maintenant ça suffit, on a fait face à la crise, mais rouler jeunesse chacun pour soi et il va falloir faire des économies parce que sinon on serait irresponsable, quoi, entre guillemets. Oui, c'est vraiment, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, sur la CRDS, c'est un bon exemple, hein, la CRDS, c'est un impôt qui a été créé en 95 pour rembourser la dette de la Sécurité sociale, mais la dette de la Sécurité sociale, en gros, on l'a plus ou moins créée, en fait, on crée des déficits en débranchant des recettes, on crée une pression, en fait, on met une pression sur certaines dépenses publiques en disant, ben, vous voyez, il y a un énorme déficit, il va bien falloir faire des efforts. Mais si on reconstitue l'histoire, et ça, ce n'est pas moi qui fais ça, c'est Benjamin Lemoine, Michaël Zemmour, je pense que tu l'as peut-être, tu les as déjà reçus, ils montrent bien dans différentes politiques sociales qu'en fait, la stratégie, c'est effectivement d'organiser les déficits pour mettre une pression sur les dépenses publiques. Donc là, en fait, on voit bien qu'en effet, on dit ah non, mais donc il y a un message aux créanciers et il y a un deuxième élément qui est hyper important dans le narratif. Donc il y a le message aux créanciers, il y a le côté on met la pression sur les dépenses publiques, et là, alors là c'est super intéressant, c'est le rapport Bayrou il y a 2 semaines. Donc Bayrou qui est devenu commissaire au plan, hein, on n'entend plus beaucoup parler de lui, mais en fait, mais il oui, essaye. On en a un commissaire au plan. Et oui, il essaye de faire parler de lui et il a fait un rapport il y a 2 semaines qui est vraiment hyper intéressant à lire pour ça, parce qu'en gros, Bayrou, bah, moi j'adore, parce qu'en 2008, il avait dit, pour l'anecdote, il nous avait fait un discours sur la dette publique en 2009. La dette publique ayant augmenté en 2009 pour les mêmes raisons que maintenant, on avait une crise. Et il a dit... Oui, mais moi, ça fait 20 ans que je le dis. Vous voyez, j'avais raison. Ce qui était génial, parce qu'en fait, bah, ça faisait 20 ans qu'il nous disait quelque chose qui, en fait, est arrivé pendant une crise. C'était un truc, un choc. Bah, là, il nous refait la même. Mais il nous dit un truc hyper intéressant. Il faut vraiment lire le rapport. Il dit, en gros, il va falloir retrouver un narratif pour les citoyens, parce que, bon, bah, ils ont bien vu que l'argent magique, ça existait. En fait... On a pu dépenser comme des dingues pour soutenir l'économie. Et donc, pourquoi on ne le ferait pas tout le temps ? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas ? Et donc, on est d'accord qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin de rembourser cette dette, mais je crois qu'il utilise, je ne sais plus si c'est récit ou narratif, il faut reconstruire un récit de la dette pour faire de la pédagogie aux citoyens. Et leur dire, attention, non, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et au contraire, on va baisser des dépenses publiques. Ça veut dire qu'ils perdent aussi une des excuses principales qu'ils utilisent depuis un certain nombre de décennies pour nous faire passer des réformes où on serre la ceinture. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment le débat qui a émergé sur la dette bat en brèche, en quelque sorte, le narratif derrière les politiques d'austérité menées par le gouvernement. Et c'est ce que je pense doit aussi unir les économistes, qu'on va voir qu'ensuite il y a des nuances dans ce débat. Mais peut-être avant d'arriver là, donc ça c'est le contexte, on a bien compris. Donc pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je vous le redis, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et moi, je m'en ferai le relais, mais l'état des lieux qu'on a dressé, c'est globalement, on a une dette qui a largement augmenté dans le contexte de la crise actuelle, se pose la question de son remboursement, c'est utilisé comme une épée de Damoclès par le gouvernement, notamment pour faire passer mesures de baisse des dépenses de protection sociale, comme la réforme des retraites, mais aussi une augmentation des impôts injustes. On donnait l'exemple de la CRDS comme un exemple. Donc maintenant, se pose la question, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Là, tu l'as dit un peu à travers Bayrou, mais La République En Marche se rend bien compte que le narratif habituel de « il faut rembourser à tout prix la dette », ça ne marche plus trop. Donc, ils ont sorti une nouvelle idée, qui est le cantonnement de la dette. Et peut-être tu peux nous dire un mot là-dessus de… Non, en fait, c'est une fausse bonne idée, et c'est l'illusion de dire que oui, la dette Covid, c'est une dette à part, et on doit moins s'en inquiéter, mais en réalité, c'est pour mieux nous la faire payer d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment une fausse bonne idée, à tel point que je me demande, en fait, le rapport… Donc, il y a une commission pour les finances publiques qui a été mise en place en fin novembre,
et qui est présidé par Arthuis, qui était le ministre de Juppé. En fait, c'était le ministre des Finances sous Juppé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ouais, c'est un libéral pur jus, comme ça qu'on peut le catégoriser, je pense. Et en fait, en 95, il avait déjà cantonné, donc je vais expliquer ce que ça veut dire, mais il a été pris, vraiment, c'est pas un hasard, il a été mis président de cette commission, probablement pour son expérience du cantonnement de la dette sociale en 95. Et en fait, il va rendre son rapport demain, et je me demande bien ce qu'il va avoir dans ce rapport. Alors, parenthèse, tu es une économiste émérite, spécialiste de ces sujets, et tu n'as pas été consultée. Non, non, pour ce rapport. Voilà, on en parlait. Toi et d'autres d'ailleurs, hein, tu n'es pas la seule économiste à avoir des compétences sur le sujet, mais vous êtes nombreux à ne pas avoir eu l'occasion de vous exprimer. Bah ouais, enfin, alors vraiment, c'est un point quoi, sur la démocratie qui est intéressant, c'est que non seulement cette commission des finances publiques, elle est créée alors que c'est le boulot des parlementaires, hein, donc ça, c'est vraiment faire de la démocratie hors les murs. C'est hyper dangereux. Hein, et on ne parle même pas de consulter les gens, en fait, parce que en fait, en rendant une question technique, faussement technique, en fait, on tue le débat démocratique et on dit, de toute façon, vous qui nous regardez là, vous n'avez rien à dire sur la dette. En fait, non, on parle de notre argent, quoi. C'est ça. Et en plus, on prend des soi-disant experts, donc on apolitise la question. On essaye de trouver un consensus, un soi-disant consensus. Bah, attendez, les experts, les économistes sont arrivés à ce consensus-là, donc hop, on le fait passer. Donc c'est vraiment une question démocratique qui est un peu alarmante. Et non seulement, bon, évidemment, évidemment, moi, je n'ai pas été appelée pour faire partie de cette commission, mais je n'ai même pas été auditionnée. Voilà. Et je trouve que je ou des copains qui font des profs comme moi, universitaires qui travaillent là-dessus, c'est quand même vraiment étonnant. Et au-delà du fait qu'on n'a pas été auditionné, on ne sait pas ce qui s'est raconté dans cette commission. Il n'y a aucune transparence sur cette commission. Donc, nous, on parie qu'il va proposer le cantonnement. Une des raisons, c'est parce que le maire a dit que c'était sa solution en juillet et Arthuis a déjà cantonné la dette sociale il y a 25 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout bête, le cantonnement. Tu prends tes 20%, là, tu prends tes milliards, tu les sors du bilan de l'État et tu les mets dans une caisse d'amortissement, c'est une espèce de structure. Et en fait, en faisant ça, tu fais deux choses. Donc la première, c'est que tu les donnes à cette caisse d'amortissement. Ça, c'est son passif, c'est sa dette, ça devient sa dette. Et donc, il faut lui créer une recette en face. D'accord ? Donc, juste la CRDS dont tu parlais tout à l'heure, c'est exactement pour ça que ça a été créé il y a 25 ans. On a pris la dette de la Sécurité sociale et on a mis un impôt en face pour s'engager à le rembourser. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point très important, c'est que tu te souviens qu'on a dit que la dette était roulée. Mmh. Eh bien là, en fait, elle n'est plus roulée. Elle devient amortissable. Donc, on change la nature de la dette et on se force à rembourser la dette. Et alors là, c'est vraiment très étonnant. C'est vraiment très étonnant puisqu'on s'est dit qu'on avait des taux à zéro, qu'on n'est pas du tout alarmant sur les marchés, qu'au contraire, on fait partie des actifs sûrs, hein, qu'on fait partie des gouvernements, des bons payeurs. Donc, on peut toujours rouler notre dette et pourtant, on va s'obliger à rembourser cette dette. Et si je peux continuer juste une seconde, Bruno Le Maire nous a dit je ne mettrai pas d'impôt en face. Et alors là, c'est vraiment très étonnant parce que premièrement, donc je ne mettrai pas d'impôt en face, on ne va pas augmenter les impôts sous ce gouvernement. Bah, premièrement, comme tu viens de le dire, la CRDS qui devait être supprimée ne l'est pas. Donc moi, c'est ce que j'appelle, je suis désolée, mais un impôt qui devait être supprimé, qui devait passer à zéro et qui ne l'est pas, Ça s'appelle un impôt qu'on va payer en plus. Voilà, donc c'est vraiment… Et juste rappeler pour tous ceux qui ont probablement jamais entendu parler de cet impôt, en fait, vous le payez tous et surtout, on le paye tous au même taux.
ce qui veut dire que vous soyez milliardaire ou smicard, vous payez tous le même taux, ce qui est complètement contraire à l'idée de progressivité de l'impôt. En général, on contribue à hauteur de nos moyens. Donc, l'impôt sur le revenu, bah, quand on n'a rien, on paye rien. Et quand on a plus, on paye plus et un pourcentage plus élevé, ce qui est logique. Et là, c'est complètement contraire à cette idée de lutte contre les inégalités, en fait. C'est l'autre impôt qui est vraiment horrible, c'est la TVA. En général, c'est ça qu'on dit, c'est que bah, on paye le même taux qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Même pire, parce qu'en général, quand on est plus pauvre, bah, on va consacrer davantage de son revenu à consommer, parce que bah, une fois qu'on a acheté tout ce dont on a besoin, il ne nous reste pas grand-chose, alors que quelqu'un de très riche, bon, quand bien même il achèterait 3 voitures et je sais pas, et 2 paquebots, même s'il est très riche, il lui reste quand même de l'argent, donc il s'est pas servi de tout son argent pour consommer, et donc, en proportion de son revenu, il a payé moins de TVA que quelqu'un de plus pauvre. Donc ça, c'est vraiment des impôts injustes et c'est pour ça que se pose en filigrane la question du creusement des inégalités en fonction du choix de politique qu'on fait, y compris pour rembourser la dette. Voilà, et là, tu touches vraiment au contrat social. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut s'y intéresser parce que tout ce débat sur le cantonnement, est-ce qu'il faut rembourser, est-ce qu'il faut annuler la dette, etc., derrière, en fait, la traduction concrète, elle est sur combien d'impôts on va augmenter, lesquels, sur qui. Donc, c'est le projet de société, effectivement. Est-ce qu'on le met sur tout le monde ou est-ce qu'on le met sur les plus riches? Et surtout, l'autre point, moi, que je voulais dire, c'est qu'il nous a dit « je n'augmenterai pas les impôts ». Donc, on vient de dire que c'était un mensonge et qu'il l'a augmenté sur un impôt que tout le monde paye. Mais deux, on a fait un petit calcul tout bête, c'est d'accord, on te prend au mot, on a 20% à rembourser sur 20 ans, c'est ce qu'on a entendu, hein, parce que bah, voilà, nous, on a essayé de deviner ce qu'ils allaient faire, comme ils ne l'ont pas dit, mais en gros, on doit rembourser sur 20 ans, on n'augmente pas les recettes, donc on n'augmente pas les impôts, comment est-ce qu'on fait? C'est la croissance, d'accord? C'est si j'augmente pas un impôt, ça veut dire qu'il faut que je fasse plus d'activités et que bah, l'impôt qui existe, il va proportionnellement augmenter parce que j'ai plus d'activités. En gros, si la France gagne 100, enfin produit 100, et met un impôt de 5%, bah, on aura 5 euros dans l'escarcelle. Si on produit 200, on aura 10 euros avec le même impôt. Okay, donc, on l'a pris au mot et on a dit d'accord. Bon, bah, alors quel taux de croissance? Je souris parce que vous avez, c'est vraiment très surprenant les chiffres. Combien de temps il faudrait pour passer de 120 à 100% avec un taux de croissance de, allez, 1,5% par an. Ce qui est plus ou moins la moyenne de ce qu'on avait avant la crise. Voilà, c'est vraiment, il ne faut pas espérer beaucoup plus. Eh bien, il faudra 248 ans. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Rembourser la dette, ça veut dire prendre 248 ans sans emprunter le moindre nouvel euro et se serrer la ceinture. Alors que nous-mêmes, on ne va même pas connaître ça à l'échelle de notre vie, quoi. Alors, en fait, là, c'est justement, ce n'est pas serrer la ceinture, c'est rien changer. Mais si on fait une croissance comme ça, en fait, en gros, s'il n'y a pas trop d'inflation, etc., il nous faut 248 ans. Mais attends, l'État nous dit, non, mais en fait, on va le faire en 20 ans. Donc, puisqu'on ne va pas… il nous dit, moi, je ne vous mets pas d'impôts. Et je le rembourse en 20 ans. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne compte pas uniquement sur la croissance, mais justement, il compte nous serrer la ceinture. En fait, la seule façon de rembourser en 20 ans sans augmenter les impôts, c'est de mettre une pression énorme sur les dépenses. Exactement. Et à la fois, c'est les deux outils, c'est augmenter les impôts, y compris les impôts les plus injustes dont on parlait, et baisser les dépenses. C'est notamment ce qu'ils ont fait aussi, on en a vu les conséquences sur le budget de la santé. Mais du coup, pour revenir à la question du cantonnement, il y a une question de Juan, je ne sais pas comment on prononce ton prénom, qui dit « mais si on ne cantonne pas la dette, est-ce que ça ne conduirait pas mécaniquement à une augmentation du taux d'intérêt ?» Eh bien, pour l'instant, en fait, donc il y a plein de façons de comprendre ça, mais t'as raison, je vais t'appeler Juan, parce que voilà, tu as raison,
théoriquement, un stock de dette plus élevé, ça devrait augmenter le coût d'emprunt, tout simplement parce que Manon, si je te prête de l'argent, si tu es très endetté, a priori, je pense que c'est plus risqué que si tu n'es pas très endetté. Et donc, je vais probablement, pour payer mon risque à moi, je vais te demander un taux d'intérêt plus important. Sauf que, y a, premièrement, en fait, pour l'instant, ça n'a pas augmenté. On est passé de 60 à 80 à 100 à 120 et vraiment, les taux restent hyper plats. Pourquoi? Il y a une raison majeure, la BCE est derrière. En fait, la La Banque BCE, centrale européenne. ouais, pardon, la Banque centrale européenne, elle achète quasiment plus de la moitié de la dette émise par des flux quoi, de l'État français et des États européens depuis l'année dernière. Donc en gros, ce n'est pas Manon ou vous ou moi qui prêtons pour l'instant, c'est beaucoup la Banque centrale européenne. Donc elle aussi, elle s'est substituée au marché en fait. Mais on marche un peu sur la tête hein, parce que. Mais ce qui permet de répondre à une autre question qu'il y avait de Yannick qui demandait pourquoi la France est-elle si sûre et donc pourquoi elle emprunte à des taux si bas, c'est en effet parce qu'il y a la Banque Centrale Européenne derrière. En effet aussi parce que, comme tu disais tout à l'heure et t'expliquais Anne-Laure, l'État français il ne meurt jamais, donc il pourra toujours rembourser. Et puis surtout, il a aussi un capital assez important qui sert de garantie, beaucoup plus que ce que moi je possède si jamais je vais emprunter à la banque. Mais du coup, ça nous amène à la dernière étape. Quand on a bien compris les mécanismes de dette, les dangers de ce que mettait sur la table le gouvernement, donc se pose la question, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose, nous? Qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Jean-Bernard, il nous dit, c'est pas si simple d'annuler la dette, surtout quand on a à la tête de la Banque Centrale Européenne Christine Lagarde, qu'on connaît bien, qui est l'ancienne aussi ministre de l'économie et des finances en France, et qui est une tenante de l'austérité. Et en même temps, on a quand même une Banque centrale européenne qui a racheté de la dette, comme tu l'expliquais, sur les marchés financiers. Donc elle l'a rachetée, en gros, les marchés financiers achètent à la France et la Banque centrale européenne rachète aux marchés financiers pour simplifier les mécanismes. Il y a un débat assez vif qui a agité les économistes ces dernières semaines et ces derniers mois. Vous avez peut-être vu, pour ceux qui nous écoutent, une tribune qui a été lancée par 150 économistes qui disent « il faut annuler la dette ». Je résume. Et puis, toi, tu as répondu avec aux côtés d'autres économistes, tu citais notamment Benjamin Lemoine tout à l'heure, mais ce n'est pas le seul, qui, en gros, dit ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais tu expliqueras mieux que moi. Et attention à ne pas donner de prétexte aux tenants de l'austérité. On va en discuter. Moi, ma vision, elle est que les deux sont complémentaires, qu'en réalité, il faut sortir, on a une logique commune qui est de sortir des politiques d'austérité et de ce que veut nous imposer le gouvernement à travers cette épée de Damoclès de la dette, que se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de la Banque Centrale Européenne, qui est aujourd'hui complètement indépendante. Moi, je suis députée européenne, je n'ai pas le pouvoir de dire à la Banque Centrale Européenne, voici le type de politique monétaire que je voudrais qu'on mène, ce qui pose une question démocratique majeure. Donc, à mon sens, il y a la dette qui est détenue par la Banque Centrale Européenne, qui est à différencier du reste de la dette. Et il y a notre capacité à emprunter, comme tu disais, qui reste assez favorable à des taux très bas, pour investir dans la transition écologique notamment, et de son articulation avec une politique fiscale, donc une politique des impôts qui est redistributive. Donc tout ça est un peu long en introduction sur cette dernière question de la dette, mais je pense et je donne ma conviction ici qu'on peut trouver une voie intermédiaire qui se saisit du moment pour redire, en fait, la dette, ça doit pas être une épée de Damoclès, et il y a une partie qui est détenue par la Banque Centrale Européenne, donc celle-là, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait, et de comment on en profite pour reprendre le pouvoir sur la Banque Centrale Européenne, en gros, décider dans quoi on investit, parce que moi, ça me pose problème par ailleurs que la BCE parfois investisse, y compris dans des trucs qui sont nocifs pour l'environnement, etc. Donc on décide en gros
que comment les États peuvent emprunter directement auprès de la Banque centrale européenne, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle, et dans quel type de projet, et comment on articule ça avec une politique budgétaire, fiscale, où on a des impôts qui permettent de redistribuer les richesses, et pas, en effet, de rembourser la dette à tout prix, parce que c'est ce que veut nous proposer le gouvernement. Voilà, donc j'ai un peu donné ma position en introduction, mais pour ceux qui n'avaient pas suivi, le débat a beaucoup agité, parfois de manière un peu véhémente d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et au fond, je pense qu'il y a quand même des intérêts communs aux tenants des, on va appeler ça des deux tribunes et puis des deux équipes d'économistes. Et puis il y a des gens très bien dans les deux équipes avec qui on est pleinement d'accord. On vous remettra en commentaire les différentes tribunes. Moi, j'en ai écrite une aussi qui se veut comme une forme de synthèse, en tout cas, je l'espère, entre ces deux écoles qui se sont répondues. Mais voilà, tu peux nous dire un petit peu quel est ton point de vue, est-ce qu'il faut annuler la dette ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on articule ça avec une politique monétaire et fiscale plus large et plus juste surtout. Ok, merci beaucoup. Donc, comme tu l'as dit, ça a agité bon, d'abord le petit monde des économistes plutôt de gauche, en fait, au début, à la sortie de l'été. Et après, en fait, ça a pris un petit peu d'ampleur quand même dans les médias. Enfin, ça a même pris une grosse ampleur, quoi. Je crois qu'on en a discuté, par exemple, au quotidien, le truc sur TMC, là, qui est pas mal écouté par des gens qui normalement s'intéressent pas à ça. Enfin, moi, c'est des bons indicateurs. Je me dis, tiens, c'est rigolo quand ça passe là. Et un autre indicateur, c'est que Christine Lagarde a répondu à la tribune des annulationnistes, c'est-à-dire des gens qui voulaient annuler. Et il y a fort à parier que ça soit, en fait, ce qu'on va faire de cette dette, ça soit, ça c'est toi qui peux nous le dire, mais que ça soit un gros enjeu de la campagne présidentielle de Clairement, 2022. clairement. Moi, je pense que ce sera un des sujets majeurs. On sera en plein dans la crise économique, au plus fort de l'augmentation des inégalités après la crise sanitaire, et on aura clairement deux visions extrêmement différentes. T'as Alors un en fait, problème? je t'amène avec moi, mais c'est parce qu'il faut que j'ouvre. Voilà, je suis Pas de désolée. souci. Vous Voilà, excusez-moi. suivez les choses en direct. Donc oui, pour revenir, je pense que ce sera un enjeu majeur. Comme jamais, ça l'a probablement été, je pense, en politique. Et puis ça divise à gauche aussi. Je Voilà, alors prends vraiment. les écologistes qui n'avaient pas vraiment de position sur le sujet. Donc tout ça anime et devrait animer la campagne de 2022, clairement. Voilà, du coup, exactement. Alors, malheureusement, ça a divisé à gauche et je suis assez d'accord avec toi que normalement, cette division, elle devrait s'estomper. Je crois qu'on avait tous besoin de s'exprimer. Et l'objectif commun, c'est, premièrement, pas de retour d'austérité, parce qu'on sait ce que ça a coûté. C'est une casse sociale. Enfin, c'est, voilà. Et puis, économiquement, c'est pas ce qu'il faut. Ça, c'est le premier point. Et notre deuxième point commun, je crois, c'est d'installer un régime de croissance qui fasse la transition vers un monde qui respecte le climat et qui soit plus inclusif. Enfin, c'est d'avoir un modèle qui fasse qu'on ne part pas avec les pieds et les poings liés et qu'on ne puisse pas mettre en place ce modèle-là. Si on est encombré avec cette dette et avec ce financement de dette, avec ce remboursement ou quoi, en fait, on voit bien qu'on ne se dégage pas les marges de manœuvre pour répondre au défi qui est vraiment là le défi de notre époque, quoi. C'est le défi le plus important qui est d'assurer cette transition climatique. Et j'allais dire autre chose, on a subi la crise pandémique. Mais malheureusement, la prochaine décennie risque de ne pas être super drôle et des chocs comme on vient de le subir, ce n'est peut-être pas le dernier parce qu'on a déjà commencé à avoir un gros réchauffement climatique, on va avoir d'autres choses. Et donc, moi, ce qui m'affole dans la position du gouvernement de nous dire remboursons, c'est qu'on a envie de leur dire, mais attendez, en fait, il est possible que dans 3 ans, on ait un choc pas de la même nature, mais qui nous demande de nouveau d'emprunter, enfin pardon, d'augmenter cette dette. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? En fait, on va de plus en plus compresser les dépenses. Donc, je crois que vraiment, ce qui nous anime tous, hein,
c'est que on veut installer un régime qui nous permette de faire face aux chocs qui vont venir, de ne pas se reposer la question à chaque fois, d'être capable de protéger les citoyens. Et en fait, là, ouais, on a été protégé, effectivement, évidemment, on l'a été de façon quand même assez impressionnante, mais en même temps, on n'est pas protégé parce que si on est tous confinés à 18 heures, c'est bien que les hôpitaux ne sont pas capables d'accueillir tout le monde. Si on avait 4 fois plus de réa, on ne serait pas confinés comme ça depuis presque un an, quoi. Donc, on voit bien qu'on n'est pas, on n'est pas en mesure de protéger les citoyens. Bon, donc voilà. Alors maintenant, il y a des copains, parce que vraiment, c'est des copains qui disent qu'il faut annuler la dette à la Banque Centrale Européenne, et d'autres qui disent on leur a répondu au bout de 6 mois. On parlait beaucoup ensemble, hein, mais on a répondu publiquement. Alors, est-ce qu'il fallait le faire ou pas? Je crois qu'on avait tous besoin de s'exprimer. Et nous, ce qu'on dit, c'est attention, en fait. Vous êtes en train de rentrer un peu finalement dans la même logique que le cantonnement, dans le sens où c'est comme si, en fait, il faut une solution pérenne. Alors, est-ce que là, on a ça, mais dans 3 ans, si ça revient, est-ce qu'il faudra encore annuler la dette? Je ne sais pas. Enfin, c'est compliqué quand même à un moment d'annuler en permanence cette dette. Moi, je ne suis pas sûre que ça soit une solution pérenne. En revanche, il y a des choses à faire à la Banque Centrale Européenne. Effectivement, aujourd'hui, les taux sont à zéro. Dès que les taux vont augmenter, parce qu'ils vont réaugmenter à un moment et qu'il faudra rembourser cette dette à la Banque Centrale, ça va augmenter, ça va coûter cher, quoi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que cette dette, en fait, elle soit jamais remboursée? Il y a une façon de transformer cette dette en des emprunts perpétuels. On peut probablement en discuter. En tout cas, ce que ça a fait avancer, des idées, des choses. Ça a mis un coup de pression sur des solutions qui étaient complètement inabordables et inacceptables. Du coup, on va peut-être pouvoir négocier des choses qui le sont un peu plus. Mais moi, pour plusieurs raisons, je ne crois pas en l'annulation de la dette parce que, un, du coup, je pense que ce n'est pas pérenne. Deux, je pense que ça peut remettre en question la confiance en fait qu'on a dans cette monnaie. Il y a un moment, en réalité, en fait, l'euro il tient notamment sur une certaine confiance. Donc ça peut l'attaquer. Et il y a une troisième raison pour laquelle je trouve que c'est pas une super solution, c'est qu'on donne trop de pouvoir à la BCE. Et sans aucun contrôle démocratique. Ah, je t'entends plus. Je sais pas si c'est moi. Je m'étais mise en silencieux. Non, mais c'est là où c'est intéressant qu'on ait un échange et un débat, parce que moi, clairement, je faisais partie et je fais encore partie de celles qui disent il faut annuler la dette qui est détenue par la Banque Centrale Européenne. Donc, on parle de celle qui est dans les livres de la BCE. Donc, c'est un peu plus de 20% pour la dette française, mais comme une reprise en main de la politique monétaire. Et donc, là où on est tous d'accord, c'est sur l'idée de se dire cette dette, quoi qu'il arrive, il ne faut pas la rembourser. Et ensuite, on a plusieurs modalités techniques qui nous sont offertes à nous. Et je crois honnêtement qu'on peut la transformer en dette perpétuelle, on peut l'effacer des livres de la BCE. Bon, on pourrait discuter ici des modalités techniques, mais c'est plutôt la dimension politique qui m'intéresse. Et c'est comme ça, nous, qu'on l'apporte, parce qu'on est assez ouvert sur les modalités techniques. C'est de se dire, OK, comment on en fait, en fait, un outil de reprise en main de la politique monétaire, y compris avec cette dimension démocratique. Parce que tu as raison, tu pointes un point qui est très juste. Aujourd'hui, personne n'a le contrôle de la Banque Centrale Européenne. Il n'y a aucun moment, il y a un débat démocratique. Et oui, tu vois, l'issue, ça pourrait être, je suis complètement d'accord avec toi, une forme de dette perpétuelle, ce qui existe déjà plus ou moins dans ce que fait la BCE, mais à l'échelle de toute la dette détenue par les États, voire une capacité de la Banque Centrale Européenne de prêter directement aux États, ce qu'elle ne peut pas à cause des traités européens à l'heure actuelle. C'est écrit noir sur blanc dans les traités, vous le sachiez. C'est aussi pour ça que nous, on dit il faut d'autres règles au niveau européen. Et que c'est l'occasion de reposer la question de comment on finance les États. Et ce que vous avancez aussi dans votre tribune, qui est assez intéressante, c'est quels sont les circuits de financement des États et comment on
Ben, en fait, on se met à la page au XXIe siècle quand on fait face à un défi écologique et social comme celui auquel on fait face à l'heure actuelle. Comment on fait pour financer des politiques ambitieuses, quoi, et que ce ne soit pas les plus pauvres qui payent la note? Oui, et c'est là qu'on va être obligé de changer et ça va bouger hein, dans les années à venir parce qu'on a un gros défi et qu'il va falloir y faire face et aussi parce que la politique monétaire elle a pris une espèce d'importance complètement ahurissante depuis 2008 en fait depuis la dernière crise et elle s'est quasiment substituée à la politique budgétaire. En fait, c'est dingue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, il faut le mettre en regard à une évolution importante, c'est que la fiscalité sur tout ce qui est capital mobile, sur tout ce qui est impôt sur les sociétés, sur le profit des sociétés et impôt sur les hauts revenus, au patrimoine, en fait, elle a baissé au cours des 40 dernières années et Et on a des marges. particulièrement depuis un certain Emmanuel M. Voilà. Ouais, mais bon, ça avait, enfin, tu étais bien Oui, placé ça a pour le été savoir. commencé bien avant lui, oui, je Voilà, confirme. on s'est rencontrés sur ce sujet-là avec Manon. Donc voilà, en fait, la baisse de la fiscalité et en fait la baisse des capacités de l'État, elle commence il y a pas mal de temps. Et notamment, un truc qui est intéressant, par exemple, c'est qu'en France, l'impôt sur les sociétés, bon, il n'est pas payé de la même façon par toutes les sociétés, ça je ne vous apprendrai pas. Ça, et donc plus vous êtes une grande multinationale, moins vous la payez. Et en plus, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, nous, le taux statutaire, le taux officiel, finalement, il a pas baissé, mais par contre, tous les autres ont baissé. D'accord? Il y a beaucoup de pays en Europe et dans le reste du monde qui. Même nous, le taux a baissé, ce qui est, quand il a été créé, c'est 50% hein, l'impôt sur les Ah oui. sociétés. Non, non, là, je te dis depuis Ah, 10-15 récemment, ans. Ouais. récemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une énorme pression sur les États, sur les recettes fiscales. Il y a un énorme lobby des multinationales et des hauts patrimoines à qu'on fait le débat complètement hallucinant sur l'héritage en ce moment. Enfin, voilà, c'est exactement ça. Donc, il y a une Peut-être difficulté. pour dire un petit mot pour ceux qui n'ont pas suivi, après la super bonne idée du cantonnement, l'autre idée où le gouvernement s'est dit Eureka, chouette, on a une super bonne idée, c'est qu'ils se sont dit, bon, il y a des jeunes qui galèrent, hein, qui font la queue devant des banques alimentaires, et donc bah, on va les aider. Et plutôt que de faire un RSA pour les jeunes, ils se sont dit, bah, on va faciliter les donations des familles les plus riches vers leurs enfants, histoire que les gosses de familles aisées soient plus riches plus tôt et encore plus. Et c'est absolument pas la solution à la détresse que rencontre la jeunesse, et en particulier ceux qui se retrouvent à faire la queue devant des banques alimentaires qui sont en général pas ceux de familles aisées. Donc c'est en effet la même théorie, un peu du ruissellement qu'on retrouve du gouvernement, et cette même logique de faire des cadeaux fiscaux en gros. Et donc, ben voilà, enfin, c'est quand même ahurissant quoi, d'avoir ce débat-là en ce moment, alors qu'on sait que les inégalités ont augmenté, que l'épargne a été accumulée par les plus riches. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a une moindre capacité à lever l'impôt dans les États. Et donc, la politique monétaire, eh ben, elle est venue se substituer à ça. Elle est venue combler un vide parce que, en fait, il y a des dépenses publiques qu'il faut quand même. Enfin, il y a de la politique publique qu'il faut quand même financer et la politique monétaire a pris pas mal le pas là-dessus. Et moi, je pense que c'est extrêmement dangereux parce que autant le budget, il est voté par un Parlement, la politique monétaire, elle ne l'est pas. Alors maintenant, alors moi, mon réflexe à moi, c'est plutôt de dire réduisons, en fait, reprenons le contrôle sur la politique budgétaire, sur les impôts. Reprenons ce contrôle-là et l'impôt, il doit servir non seulement à faire de la redistribution, mais aussi il peut servir à faire du financement de dépenses publiques. Enfin, c'est quand même ça au départ. On a fait des calculs avec une équipe, avec notamment Thomas Piketty, et en fait, on peut lever des impôts qui peuvent rapporter jusqu'à 4% du PIB en plus, je veux dire, de ce qui est amené aujourd'hui. Donc 4% du PIB, ça commence à financer pas mal de choses en fait hein, dans ce qu'on veut faire. Donc moi, mon réflexe, c'est plutôt de dire, sortons une partie du financement public, sortons-le des marchés financiers parce qu'ils nous rendent hyper vulnérables.
Et là, ce qui est incroyable, c'est que pour l'instant, la solution, on le sort qu'à moitié, mais en fait, on l'a même complètement sorti, mais ça reste dedans, c'est à la Banque centrale. C'est-à-dire qu'en fait, on a sorti une grosse partie de la dette publique des marchés financiers pour que les taux commencent pas à valdinguer, mais en fait, ça reste, entre guillemets, soumis à une espèce de discipline de financière, parce que c'est dans les comptes. Donc, bah, l'idée, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un circuit du trésor, une façon pour réduire cette mainmise, enfin, cette vulnérabilité qu'on a à chaque choc. On flippe, quoi. On a peur que les taux augmentent. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est vraiment bien qu'il y ait des gens qui réfléchissent à ça, parce que il y a 3 ans, ce n'était pas envisageable. Et probablement qu'on est en train de changer vraiment de modèle, quoi. Donc c'est important de pousser ça. Et ensuite, il faut reprendre la main sur la fiscalité. Il faut arrêter l'idéologie sur le fait qu'on dépense trop d'argent, qu'on a déjà trop d'impôts, etc. Ce n'est pas vrai, en fait. Il y a une tendance à la baisse sur les impôts du capital le plus mobile. En réalité, voilà, je vais arrêter le tunnel, mais sur l'épargne, mince, l'épargne et les héritages, en fait, on peut quand même déjà donner pas mal de choses, avec des niveaux très élevés. Donc, Et puis rappeler que c'est pas, on n'épargne pas tous de la même manière. Les 25% les plus pauvres ont épargné 100 fois moins que les 5% les plus riches pendant la crise. Et la plupart des familles, des ménages, n'ont pas de quoi faire des donations en réalité. Donc on parle là d'un tout petit nombre. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, moi j'en tire quand même la conclusion que en fait tout ça est complémentaire et que l'idée c'est, et c'était le titre de ma tribune, je crois. On va la remettre en commentaire. Je crois qu'on l'avait intitulé Reprendre le contrôle sur la politique monétaire et sur la politique fiscale. Et pour moi, c'est un peu l'idée, c'est que on nous présente l'économie comme une série d'évidences qu'il faut gober, alors que c'est de la politique en réalité, et c'est l'objet du débat qu'on a engagé aujourd'hui, du fait qu'on essaie de le démocratiser. Et puis, il y a une complémentarité, à mon sens, des deux politiques pour faire en sorte qu'on ne soit plus dépendant des marchés financiers d'un côté, et donc des banques, hein, pour expliquer de manière concrète, et de l'autre, qu'on ait des outils de redistribution des richesses entre les gens et qu'on n'ait plus un niveau d'inégalité colossal comme on a en France, où on arrive quasiment à une société un peu d'ancien régime. Quand on voit les niveaux d'inégalité, si on prend juste les milliardaires en 2020, ils ont augmenté leur richesse de 175 milliards d'euros. Pour donner une idée aux gens, c'est 2 fois le budget de l'hôpital public, enfin, c'est des sommes colossales. Et on arrive à des niveaux d'inégalité de richesse qui n'ont plus aucun sens, qui sont au-delà de toute la réalité. Un autre chiffre là, qui avait sorti Oxfam, c'est genre depuis 1789, si Bernard Arnault avait dépensé, je crois, c'était 8 000 euros par jour, il arriverait qu'un infime pourcentage de sa richesse. Enfin, tout ça, c'est complètement absurde et c'est complètement déconnecté de la réalité. Mais en même temps, moi, j'ai la conviction qu'on peut réconcilier, entre guillemets, ces familles d'économistes en remettant hein, une dimension démocratique. Moi, je crois pas qu'il y ait qu'une politique qui soit l'apanage, mais qu'on peut essayer d'avoir une politique fiscale qui redistribue et de reprendre le contrôle sur la politique monétaire pour éviter de dépendre des marchés financiers. Qu'on peut combiner ces deux types de politiques-là bah, pour éviter de se taper des politiques d'austérité qui nous pendonnaient, en quelque sorte, dans les prochains mois. C'est ma tentative de synthèse, de réconciliation d'économistes. Et je sais que tu as beaucoup contribué à toutes ces réflexions et que moi, je suis la première à avoir porté initialement aussi une politique fiscale réellement redistributive avec dans le sillage des travaux que tu as pu faire, ceux de Thomas Piketty et d'autres qui portent le sujet. Il y avait d'autres dernières petites questions que je vais prendre juste parce que c'est des choses un peu techniques. Il y a Yannick qui demandait notamment sur la dette d'expliquer quelles sont les garanties matérielles de la France face à cette dette. T'expliquer le fait que bon, l'État français ne mourrait pas contrairement à nous. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le patrimoine. C'est quoi le patrimoine de la France qui peut mettre en garantie, entre guillemets? Non, pas grand-chose. En fait, c'est intéressant parce que la différence avec un ménage, c'est que nous, on parle de dette nette, c'est-à-dire qu'on met en face notre patrimoine et nos dettes. Donc,
Quand le banquier nous prête, il tient compte de ce qu'on possède, de ce qu'on pourrait éventuellement revendre, etc. Un état, en fait, c'est une dette brute et on ne prend pas en compte du tout le patrimoine de l'État. Alors bon, d'un côté, on ne va pas revendre la tour Eiffel, hein, concrètement, pour rembourser la dette. Mais on a des choses à vendre, il y a y a du patrimoine à vendre. Alors, ça a été, en plus, c'est une politique qui a été pas mal engagée dans les 15 dernières années. Il y a quelques recherches là-dessus. Mais pour réduire le patrimoine public, je ne crois pas que ça soit une bonne idée du tout. Mais c'est pas, on ne se pose pas cette question-là, en fait. C'est intéressant. En gros, la garantie d'un État, c'est plutôt sa capacité à croître et donc à pouvoir toujours rendre cette dette soutenable, pas se retrouver en face, ne pas se retrouver à ne plus pouvoir emprunter. Parce que si on ne peut plus emprunter, on ne peut plus rembourser. Et c'est vraiment ce qui se passe. Par exemple, je reviens sur l'Argentine. L'Argentine, en 2001, se retrouve dans une situation... ils ont le même patrimoine entre novembre 2001 et janvier 2002. Donc, ce n'est pas une histoire de patrimoine. C'est vraiment une histoire d'un coup, les investisseurs se disent « Ah non, mais en fait, le modèle argentin, il ne marche pas du tout. » Et donc, plus proche de nous, évidemment, j'aurais pu prendre la Grèce. C'est exactement la même chose. Le Parthénon, il est là dans les deux cas. Mais à un moment, les investisseurs se disent « Eh bien, en fait, le modèle grec, il ne marche pas. On nous a menti sur des informations, etc. Ils ne pourront plus. » Ce qui renvoie à la question de comment on fait pour ne plus dépendre de ces investisseurs qui sont des acteurs privés et qui font la pluie et le beau temps du financement des États. Et pour moi, c'est une des questions centrales sous-jacentes qui peut paraître technique vue de loin, mais qui est hyper importante si on veut faire, y compris des investissements dans la transition écologique, dans des infrastructures, etc. Et si on veut retrouver une liberté vis-à-vis de ces marchés financiers dont on dépend à l'heure actuelle. Et en fait, s'il y a un truc qu'ils peuvent faire, ces marchés, c'est quoi les marchés? C'est, enfin, une banque ou un marché financier, c'est censé quand même normalement intermédier l'épargne vers l'investissement des entreprises ou la dette publique. Et ça, normalement, si ça marche, ça marche plutôt bien parce qu'en fait, moi, je peux avoir 1 000 euros d'épargne, je peux les prêter à un entrepreneur qui va acheter une machine et qui va permettre de faire de la croissance. Donc, c'est pas forcément horrible un marché financier, absolument pas. En fait, normalement, l'intermédiation de l'épargne, alors je dis ça chez LFI, je vais me faire complètement, je vais me faire lyncher, mais en réalité, si je peux prêter directement à un entrepreneur qui va pouvoir investir et créer des emplois, bah c'est l'objectif. Mais sauf que là, pour l'instant, en particulier sur la dette publique, ça marche plus comme ça. Et c'est bien, après je pense que tu vas pas te faire incendier parce que nous ce qu'on raconte aussi c'est de justement comment faire en sorte que ce soit pas les marchés financiers qui décident ce dans quoi ils vont investir, y compris investir des projets qui sont extrêmement nocifs pour l'environnement. Le dernier report d'Oxfam qui regarde l'impact climatique des entreprises du CAC 40 a mis sur le podium trois banques parce que justement elles investissent massivement dans des actifs qui sont extrêmement nocifs pour l'environnement. Donc se pose la question de à quoi sert notre épargne et comment on peut la rendre utile, voilà. Y compris d'un point de vue écologique. C'est pour ça que ces questions sont connectées. Et on en revient à la question aussi de sortir de la dépendance des marchés financiers et avoir un débat, un choix démocratique. Et peut-être pour conclure, c'est ce qu'on a essayé de faire vivre aujourd'hui sur des sujets dont on nous prive beaucoup trop souvent de débats. C'est assez frustrant aussi au Parlement européen parce que, je veux dire, il y a plein de choses qui se discutent quand même à l'échelle européenne ou au moins de la zone euro. Et en fait, on est très souvent privé de débats. Donc, je pense que notre rôle, c'est de faire vivre ce débat
avec les citoyens pour avoir une pression citoyenne et demander des comptes et dire qu'en fait, nous, on ne veut plus de ce système qui est dicté par la Banque Centrale Européenne sans aucune consultation démocratique et qui se soustrait complètement à toute politique fiscale qui est progressive. Et c'est un peu le sens du combat qu'on mène. Et comme tu l'as bien dit, je pense que ce sera un des sujets majeurs pour la campagne de 2022. Donc, on aura sûrement l'occasion d'en rediscuter et de rééchanger avec toi, Anne-Laure, parce que voilà, tu es une des voix qui compte dans ce débat. Donc, vraiment, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps d'être avec nous. Mais non, merci beaucoup. C'est super. Et puis, pour ceux qui nous ont suivis, bah, n'hésitez pas à repartager ce live parce qu'il est évidemment consultable et visionnable, même après. Et puis, n'hésitez pas à nous faire remonter, même a posteriori, des interrogations que vous avez ou des propositions, y compris d'invités sur ces sujets, parce qu'on essaie de faire vivre le débat démocratique et le débat économique, parce que le pire serait qu'on nous en prive, et c'est bien ce qu'ils essaient. Et derrière, ça veut dire le retour à grand bruit ou à petit bruit, mais avec beaucoup de fracas des politiques d'austérité, avec l'impact que l'on connaît pour les plus pauvres. Et c'est bien tout l'objectif de l'éviter et de proposer une alternative. Donc, c'est à ça que servent nos réflexions. Donc, vraiment, encore merci Anne-Laure. Je vous souhaite une bonne soirée confinée. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres invités. On a notamment prévu, dans les prochaines semaines notamment, on aura dans les prochains invités Gabriel Zucman et Thomas Piketty, je crois, des économistes que Anne-Laure connaît très bien aussi. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt.